remarque ici en ce moment que Nintendo pour Splatoon 3 font deux types de nouveaux kits différents que je distinguerai déjà des kits qui s'inspirent de ce qu'on a vu avant sur Splatoon 1, Splatoon 2, des espèces de rééditions et en même temps ils veulent tenter quelque chose de nouveau Vous voyez par exemple des kits qui s'inspirent de ce qu'il y a eu dans le passé euh, pas forcément sur le même arme mais euh, sur le même arme par exemple on peut voir le badigeonneur comme ils s'appellent chic, qui a le détecteur et le kraken royal, comme euh, un baliseur sur Splatoon 1 qui avait détecteur et kraken. Ce genre de choses peut également arriver sur une autre arme, par exemple l'éclatonnade auto, qui a eu à la fois le, la balise de saut, le multimissile, l'ultra-tamponneur, chose que les pinceaux brosses avaient déjà eu sur Splatoon 2, selon les kits, donc c'est assez intéressant à voir. Et donc, Nintendo, parfois sur certaines armes ou sur d'autres plus ou moins similaires, ils ressortent des kits similaires à ce qu'il y, qu y avait déjà eu dans le passé finalement. Mais on remarque aussi que Nintendo, et c'est là rentre en jeu le deuxième type de nouveaux kits qu'ils font, veulent tenter quelque chose de nouveau. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais sur Splatoon 3, il y a quand même aussi pas mal de nouvelles choses. Certaines armes spéciales qui sont complètement nouvelles, qui n'avaient jamais été vues avant. Euh, le District Cool, euh, le multi par exemple. Et donc, à l'image du dynamo-rouleau Tesla et du badigeonneur euh, stylo nuancé, oui, c'est ça, eh bien, ils ont des choses complètement différentes. Beaucoup de, choses voulaient, beaucoup de gens pardon, voulaient voir sur le badigeonneur stylo euh, balise de saut et... Un, je ne sais plus s'il y avait un spécial qui était désiré, pas spécialement, mais la balise de saut. Parce qu'il y avait un kit sur Splatoon 2 qui l'avait eu. Et que c'était intéressant. Nintendo, on fait le choix... D'aller voir autre chose, de tenter quelque chose de nouveau en lui mettant mine et euh, aspirancre. Ce qui, à mes yeux, peut être quelque chose d'intéressant, mais mon avis, ce n'est pas euh, ce dont on traite ici. De même pour Dynamo Rolo Tesla, alors Nintendo ne l'a pas encore confirmé, mais on l'aurait vu dans le trailer, que l'arme aurait le multileur Alors, pareil, c'est quelque chose de nouveau. Beaucoup de gens voulaient voir euh, le Jolisator, par exemple, qui était très efficace avec le Dynamo Rolo en Splatoon 2. Pareil, Nintendo ont voulu tenter quelque chose de complètement nouveau en lui mettant le multilayer. Euh, donc pareil, euh, finalement c'est complètement nouveau. On peut prédire des choses, mais les gens sont un petit peu trop prédicteurs, ce mot ne veut rien dire à mon goût. Bon, ce mot ne veut rien dire, mais vous voyez où je veux en venir. Moi j'attends de voir dans le jeu ce que ça va donner. Après, encore une fois, à titre personnel, ce que j'attends le plus, c'est tout ce qui touche au badigeonner bien sûr. Donc le correcteur notamment. Et d'ailleurs, pour revenir au correcteur... Si ils ont pas mis Nintendo la balise de saut sur le body stylo, peut-être que sur un potentiel futur kit de correcteur plus tard, qui pour rappel a pour principe de tirer plus vite que les autres badigeonneurs, peut-être que dans un futur kit, lui, ils lui mettront la balise de saut. Après, j'ai l'impression qu'ils mettent la balise de saut sur beaucoup d'armes en ce moment. Par exemple, les pinceaux brosse, tiens, les pinceaux brosses, pareil, a eu le même traitement que le dynamo de Tesla et le body stylo. Ils ont fait un truc différent. Enfin, différent, je ne sais plus s'il y avait un sur ce qui avait plus dans, qui me semble pas. Il me semble que c'était avec le Baddie de Splatoon 2, mais ils lui ont mis la pluie d'encre et balise de son. Donc, finalement, alors, ils, ils font des trucs pour changer. Donc, il y a certains kits qui sont des hommages à ce qu'il y avait à l'époque, mais il y en a d'autres, c'est complètement nouveau, ils tentent des choses, et à mon sens, ce n'est pas fait au hasard. Après, encore une fois, on attend de voir dans la nouvelle saison ce que ça va donner. On fera un live, bien sûr. Le 1er septembre pour découvrir tout ça. En attendant, pas tous les kits ont fini d'être annoncés. Il reste le Dynamo Bolo Tesla qui soit annoncé de façon officielle, le Trisperser Collab qui s'appelle en anglais, je ne sais pas comment il s'appellera en français, et le Lancrifugeur Néo. Et d'ailleurs, petit dernier point quand même que je voulais citer, c'est que le Crabe d'Assaut, l'art spécial euh, du Crabe d'Assaut, est le seul spécial qui n'a jamais été réattribué une seule fois depuis le début du jeu. Donc là, on attend à ce qu'il soit sur. L'encrifugeur Néo, puisque le Trisperseur aurait aussi une suspicion de Multila, comme le Dynamo Tesla, donc s'il n'est pas sur l'ancrifugeur soit Nintendo veulent encore attendre plus tard pour les réattribuer sur une autre arme, soit ils vont lui faire le même traitement qu'avec le Pig à l'époque de 72, où ils ont abandonné le spécial parce qu'il était jugé trop fort. Ce qui ne veut tout et rien dire finalement, mais on ne sait jamais. Normalement, on sera fixé demain.